J'aimerais vous rappeler que j'ai dû vous parler comment est-ce que les aidants naturels peuvent préparer des aliments rapides et nutritionnels. Je vais vous présenter Nicole. Nicole Singa est une diététicienne accréditée avec le Collège des diététiciens, avec un diplôme en nutrition. Nicole fournit des solutions de diète nutritionnelle personnalisées pour ce client et l'audience. Elle est connue comme experte de présentation de préparation des aliments qui sont basés sur des plantes. Nicole est apparue sur plusieurs plateaux de télévision à l'échelle nationale et de l'Ontario. Et elle a déjà publié un livre qui est disponible sur son site web. Et on va mettre le site web de Nicole, le lien, son lien, sur la boîte de clavardage. Et ça va être aussi dans le courriel que vous allez recevoir demain matin. Bienvenue, Nicole. C'est à vous. Allez-y. Bienvenue, comme Suzanne l'a dit. Je vais parler de nourrir les dents naturelles. Pour les dents naturelles, on se focalise sur les autres. Vous savez, quand vous prenez soin de quelqu'un de la famille, ça exige des fois. Nos besoins sont mis de côté quand on prend soin. Alors là, je veux ramener les avantages de se nourrir de manière appropriée, de manière optimale. Je vais vous donner des conseils, des recettes au fur et à mesure qu'on avance. La première des choses que je vais vous poser, vous pouvez mettre vos réponses sur la boîte de 21. La question, c'est quels sont les plus grands obstacles à la santé alimentaire pour les adultes? Peut-être je vous donnerai une minute pour, je veux que vous répondiez. Est-ce que c'est les compétences? Est-ce que c'est la connaissance? Et après, je vais révéler les réponses une fois que vous avez répondu dans la boîte de clavardage. Nicole, en octobre. Comment est-ce que trouver le temps? Le temps, ça, c'est la question, la plus grande question. Est-ce qu'il y a des réponses, Suzanne? Oui. Oui, le manque d'énergie, le manque d'idées. Je vais aller dans la prochaine diapo. Comme ce que les participants ont dit, le manque de temps. Le manque de temps, c'est le plus gros, suivi par la connaissance de savoir comment préparer les aliments. Et comme je parle aux gens durant cette pandémie, le temps, et c'est un facteur parce que si vous êtes un aidant naturel spécialement, parce que vous faites des choses différemment, vous prenez plus soin des gens durant la pandémie. Donc ça peut devenir un facteur qui a de l'impact sur la santé alimentaire, pas seulement la connaissance. Je trouve, quand je travaille avec les gens, plusieurs d'entre nous sommes sensibles, c'est quoi les aliments, la santé. C'est une question, se mettre ceci en pratique, c'est la chose la plus dire à faire. Le manque de temps, savoir comment préparer les aliments, apprécier la préférence en matière de goût. Les éléments santé, ça, c'est une bonne saveur, mais pas nécessairement le cas, hein. Mais il y a aussi le coût. Le coût, ça ne devrait pas être le cas. Vous savez, je vais vous donner des atouts concernant comment on peut parler de ces facteurs, mais on va répondre à ces barrières. Comme on dit ici, malgré le fait qu'ils connaissent les avantages d'une saine santé alimentaire, de nombreux adultes n'adoptent pas ces comportements avec régularité. Donc, on va avancer, on va parler, commencer avec la planification, la préparation. Oui, la préparation, je pense, qui est quelque chose
qui est avantageuse pour nous, ce qui a changé pour les personnes pendant la pandémie et comment est-ce que tout ceci a changé. La deuxième des choses dont on va parler, c'est comment créer des repas faciles, sains et délicieux. On va vous donner des exemples. C'est comme une session de remue-ménage. Et le troisième chapitre, on va parler de gérer la gestion des envies. Et c'est un facteur qui aura un impact sur les choix de nos repas aussi. Pour la préparation et la planification, je suis sûre que vous avez entendu l'adage, on planifie l'échec. Pourquoi on peut planifier? Parce qu'il est très important, parce qu'avec le graphique que je vous allez voir la différence entre les repas alimentaires rapides et quelque chose que vous préparez, les repas rapides préparés, vous pouvez voir, c'est les calories qui sont le double que si vous le proposiez à vous-même. Et si vous voyez les ingrédients, il y a des additions, il y a des préservatifs, il y a, et l'image en bas vous montre que il n'y a pas beaucoup de sodium par rapport à l'image. Donc, on essaie d'aller chercher les calories, on ajoute des nutriments. Les avantages de préparer, c'est une question d'économiser aussi, parce que vous pouvez économiser de l'argent quand vous préparez les aliments chez vous. Par exemple, vous avez cette salade, par exemple, de chipotle, par exemple. Vous allez voir la différence. C'est la différence d'être santé. On y reçoit cher. C'est pas le cas. C'est vraiment, mais vous savez, si vous le préparez vous-même, vous allez garder les coûts plus bas. Lutter, combattre les envies. Donc, vous savez, quand on a des envies, on va juste attraper l'aliment le plus disponible. Mais si vous mangez régulièrement durant la journée, équilibré, vous allez gérer ces envies. Je pense que j'ai partagé pourquoi il faut le considérer. Maintenant, je vais aller du comment. Par quoi commencer? Donc, on va commencer avec la planification. La planification, par exemple, d'abord, il faut choisir le jour d'achat de cuisine. Je vous recommande que vous partagez. Si vous le faites pas pour la première fois, par exemple, vous pouvez faire, par exemple, les jours d'achat le dimanche, par exemple, la cuisine le dimanche. Ça peut être très lourd. Donc, vous pouvez faire peut-être aller faire vos achats le vendredi, préparer le dimanche. Donc, le fait d'aller. Vous savez, dans le centre d'achat, vous n'avez pas une liste, vous allez attraper des choses, vous allez acheter des choses que peut-être vous n'allez pas utiliser et puis ils vont être allés à la poubelle. Donc, c'est très important d'avoir sa liste. Donc, essayez d'avoir toujours des idées de repas en 2 minutes. Après, on va vous donner des idées après, mais c'est comme une planification. Vous ne voulez pas manger les restants de la loi du soir d'après. Par exemple, surtout pour le petit déjeuner, pour le souper, c'est très rapide à préparer. Il n'y a pas vraiment de règlement, il n'y a pas de loi concernant le temps. Donc, c'est d'avoir ces idées de repas de 2 minutes, ça va vous aider. Et bien, commencez tranquillement. Donc, comme je disais, ça ne devrait pas être comme je fais, c'est de préparer. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez commencer doucement, peut-être que vous ne mangez pas le petit déjeuner, peut-être que le lunch est beaucoup plus des casse-croûtes. Peut-être dans ces situations préparer un repas pour le lunch. Ça dépend. Vous avez des habitudes juste pour faire que la préparation. Et c'est pas de créer tout dans un dimanche, par exemple. Et ça m'amène à la prochaine
question. Et c'est qu'avec quel repas avez-vous de la difficulté? Peut-être vous manquez le petit déjeuner, peut-être que le c'est difficile, peut-être que le souper, quand le repas du souper arrive, vous êtes fatigué, oh, vous n'avez pas envie d'aller dans la cuisine. Si vous pouvez répondre dans la boîte de clavardage, quel repas avez-vous le plus de difficultés avec? Nico, je vais faire un synopsis ici. Je me pose la question, est-ce que votre boîte de chat est visible? Non, ce n'est pas visible. Les réponses, le lunch est une réponse très fréquente. Le souper, il y a une réponse qui a dit, le souper, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai arrêté de préparer les réponses. Il y a une personne qui a dit le petit déjeuner. Il y a d'autres personnes qui ont dit le lunch. Je dirais que le lunch et le souper, c'est les réponses la plus prédominante ici. Très bien, c'est bon de voir. Je pense que vraiment, oui, quand on a les idées pour les personnes avec le lunch, le souper, on va vous aider avec tout ça. Surtout pour la deuxième étape, après la planification, vous avez les achats. Donc, il est très important, comme j'ai dit, respecter la liste, acheter à des magasins d'aliments en vrac, ça dépend où est-ce que vous êtes, bien sûr. Mais j'aime les magasins d'aliments en vrac parce que vous avez besoin, vous allez acheter ce dont vous avez vraiment besoin. Parce que des fois, quand vous avez dans des protéines en poudre, par exemple, vous avez une grande boîte que vous avez achetée, et puis si vous ne l'aimez pas, alors si vous avez, par exemple, allez acheter des épices, et si vous ne l'aimez pas, donc il y a aussi été très important de choisir des plats préparés sains aussi. Je vais vous clarifier pour les plats préparés. C'est pour ça parce que la notion que vous allez tous préparer dès le début, vous savez. J'aime les plats préparés. J'aime préparer, par exemple, des légumes. Par exemple, couper les légumes, etc. C'est pas quelque chose que j'aime pas spécifiquement faire. Donc, ça va vous économiser le temps pour ces tâches que vous n'aimez pas faire en fait. Alors, si vous le regardez, vous avez par exemple, vous avez des légumes qui vraiment se perdent fin après. Donc, c'est très important. Vous pouvez aller, vous avez des plats préparés. Donc, vous avez acheté des légumes, des salades en sachet, des légumes tranchés en sachet. Des légumes surgelés, ils sont déjà là. Vous avez la poulet les fruits surgelés, les légumes surgelés sont tout aussi frais que s'il n'était pas préoccupé par le fait que vous allez des aliments qui vont pourrir. C'est vraiment bon d'avoir des fruits surgelés, des légumes surgelés. Vous allez par exemple, comme l'image ici, des tranches, des morceaux d'avocado. Vous savez, avec l'avocat, ils sont très dispendieux, très chers. Et si vous utilisez les noix, il devient brun très rapidement. Vous pouvez l'utiliser dans un smoothie aussi. Et maintenant, allons maintenant à la cuisine en soi, la préparation. Par exemple, vous voulez créer une option de petit déjeuner. Donc, il ne faut pas passer encore une fois 3 heures à cuisiner. Plus de 3 heures. Donc, ça prend de la préparation. Donc, commencez peut-être selon l'âge où vous avez des difficultés, vous pouvez le préparer peut-être en bas
à couper les légumes. C'est notre prochain point. Préparer la moitié du repas en avance. Vous n'avez pas besoin de préparer le tout. Vous pouvez le faire comme ce que j'appelle aussi le buffet, que j'appelle préparer la moitié du repas d'avance, cuisiner la moitié à chaque fois, que ce soit le quinoa, le riz, vous pouvez le mettre au congélateur, vous pouvez trancher vos légumes, vous pouvez trancher vos fruits, vous pouvez cuisiner vos protéines, vous pouvez avoir des œufs durs préparés. Pour qu'ils soient disponibles, oui, vous pouvez créer des combinations. Si vous êtes quelqu'un qui aime la variété, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et ça va fonctionner pour vous. Je vais aller à ce diapo aussi pour vous dire qu'il faut que ce soit le fun. Il faut que vous ayez du plaisir à le faire. Parce que nous avons tellement de responsabilités en tant que don naturel. On peut voir la cuisine comme on prend soin de soi-même. C'est votre temps à vous, le temps consacré pour vous-même. Peut-être vous avez votre podcast favori, vous avez la musique, peut-être vous parlez à votre copain à côté, vous rentrez par faites que ce soit le temps que vous vous consacrez à vous-même. Ça, passons maintenant au prochain chapitre qui est visité concernant le repas sain et délicieux. Donc, je vais passer à travers ces détails, des idées de dîner rapide. Ça, c'est une liste, mais avec des exemples, nous avons nos légumes, nous avons des protéines, nous avons le bon gras, nous avons nos amidons. Je veux qu'on prenne le temps, une minute, pour réfléchir au repas, avec ces groupes alimentaires qu'on peut faire de 10 à 15 minutes. Par exemple, un exemple ici. J'ai mentionné il y a quelques minutes, nous avons le petit déjeuner, le souper. Vous pouvez faire une omelette, vous avez les œufs pour des protéines, vous avez du brocoli, vous pouvez avoir un avocado. Et peut-être une pièce de fruits ou un toast. Et peut-être, je vais vous donner des autres, parce que je veux que vous ayez, vous réfléchissiez à des pros et à des options, vous pouvez le faire de 10 minutes. S'il y a des idées que vous avez, parce que je suis faite à entendre vos idées. Nicole, il y a une idée. Le poulet rôti que vous allez acheter au magasin, vous pouvez avoir pour un bon temps. Après, vous avez des restes. On peut préparer ce poulet, on peut le faire avec un stir fry, avec le riz, le quinoa, ou certaines des légumes. Je pense que ça va pas bien équilibré. Et ça va être optimal pour. Est-ce qu'il y a d'autres idées que vous avez dans votre boîte de clavardage? Oui, et les restes de toutes idées. Je fais une omelette, trop, très grande omelette, comme ça vous aurez des restes pour le déjeuner. Et le spinach. Le chou-fleur. Qui est congelé. Vous pouvez le voir, vous pouvez le voir avec des noix dedans aussi. Il y a une idée pour utiliser la marmite instantanée. Je peux préparer des quinoas le soir. Je le prépare en une minute, le quinoa. Oui, une petite pointe, la marmite instantanée, c'est super. Ça prépare des aliments très très rapidement. Oui, ça peut être un repas très rapide, très 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 bien. C'est une bonne idée. Et aussi des pommes de terre douces. Et on peut mettre des protéines. Peut-être qu'on met des lentilles dedans. Et parce qu'on veut avoir tous les composantes alimentaires, les légumes, les protéines,
charbon gras, les amidons pour une alimentation équilibrée. Et j'ai aussi, quand le participe aussi, une version en anglais des éléments. Je pense qu'il y a une version en français aussi. Je pense que le site web du Collège des diététiciennes, vous pouvez voir, il y a plus d'idées et il y a des disponibilités en français aussi. Je veux aller passer à travers aussi comment on a des idées de dîner équilibré en 20 minutes. Par exemple, nous voulons ça, c'est la source pour le corps, les cycles, les amidons, les protéines, c'est pour la formation, la préparation des tissus. Donc, ça utilise également pour produire des enzymes, des hormones, d'autres agents chimiques de l'organisme. Ça comprend des protéines végétales et animales. Vous avez les légumes, c'est riche en micronutriments, nutriments faibles en calories, riche en fibres. Vous avez la matière grasse pour l'énergie, absorber les vitamines. Pour toute idée, pour les repas de 10 à 15 minutes, nous avons les protéines adaptées. Vous pouvez avoir le poulet rôti déjà préparé. Vous pouvez faire ce poulet le soir d'avant. Vous pouvez le mettre dans des zucchinis. Et vous avez aussi des salades de pâte au thon de la Méditerranée. C'est une protéine qui est déjà préparée, très facile. C'est très facile à préparer. C'est une salade de thon. Et nous avons aussi, pour ces salades protéinées végétariennes, vous pouvez l'aider d'amande avec du feta, des canneberges. Et vous avez aussi, comme le déjeuner, pour le dîner, je l'ai mentionné, vous pouvez avoir le rôti à l'avocat débordant de protéines ou des roulés de feuilles de chou vert avec salade de l'avocat, avec des tranches de pain à l'intérieur. C'est bon d'avoir ce repas très rapide parce que des fois, on a faim, on a impatient. C'est bon d'avoir ces options très rapides qui sont très pour nous. J'espère que vous allez avoir des idées demain. Et maintenant, avant la troisième section qui est la gestion des envies. Je veux aller dans les 5 clés pour gérer les envies. Quand je parle de gens, comment gérer les envies, je leur dis souvent d'arriver à peut-être qu'on se blâme, peut-être que j'ai envie de chocolat, tout ça. Est en train de nous dire, on a besoin d'autre chose. Si on est en train de manquer de repas, de le lunch par exemple, peut-être, je suis sûre que vous aurez des envies plus tard. Alors, il ne faut pas manquer les aliments, les repas. Et soyez, assurez-vous que vous avez pour manger assez. Parce que des fois, on mange pas beaucoup durant la journée, mais on mange beaucoup plus le soir. Et reconnaître les déclencheurs. Je pense que la stratégie la plus facile, c'est de classifier vos types de faim. Est-ce que faim de la bouche, faim de l'estomac, vous n'avez pas mangé depuis très longtemps, ça fait 5 ans? Ou si c'est une faim du cœur, c'est-à-dire que vous mangez parce que c'est émotionnellement ce dont vous avez besoin. C'est un comportement qu'on apprend aussi. Donc, c'est de vouloir quelque chose de sucré après le souper parce que vous avez déjà le souper. Donc, peut-être la fin de la bouche, c'est le fait d'avoir cette texture. On n'est pas vraiment faim. C'est une stratégie pour préciser, pour comprendre.
Quels sont le type de fin que vous avez? Et il faut faire attention, pas nécessairement pour voir combien de calories, mais essayer de classifier les raisons pourquoi on mange pendant la journée et vous connaissez des déclencheurs. Bouger. On dit la position assise et le nouveau tabagisme. Parfois, lorsqu'on pense avoir faim, il s'agit d'un indicateur que l'organisme a besoin de bouger plus ou que l'esprit s'ennuie. Notre société où l'on est assis à longueur de la journée a fait en sorte qu'on bouge moins. Bouger stimule l'esprit et donne plus d'énergie. Donc, on ne se rend pas compte combien on est haché. Des fois, se lever, peut-être. Il y a même des gens que je connais qui ont des alarmes pour bouger chaque 30 minutes, par exemple. Nous avons besoin. Et ça nous donne de l'énergie aussi. Pratiquer l'alimentation consciente, c'est-à-dire d'écouter son corps. Donc, encore une fois, c'est très important d'être bien. Et dans le naturel, peut-être que c'est pas, on pense pas ce qu'on a dans notre plat. Peut-être qu'on manque des repas, le lunch. Et à là, où est-ce qu'on va manger quelque chose? Parce qu'on n'a pas à manger rapidement. Alors, je dirais, pour pratiquer l'alimentation consciente, c'est de ralentir, faire attention à ce qu'on nous, des stratégies qu'on peut utiliser. Par exemple, poser votre fourchette entre les bouchées, je suis pas bonne pour ça. Prenez des gorgées d'eau entre les bouchées aussi. Ça va vous aider pour vous ralentir, manger avant maintenant dans une minute. Ça dépend de ce que vous mangez, mais ça peut être quelque chose qui va vous aider. Et tenez pendant 15 à 20 minutes, à 20 secondes, désolé. Ouais. Et hydratez-vous et prenez des fibres pour éviter de trop manger. Donc, l'hydratation et les fibres procurent une tonne de satiété. Donc, la prochaine fois que vous avez une envie, prenez une pétillante avec une collation riche en fibres, peut-être des légumes avec du hummus, par exemple. Encore une fois, pour retourner aux raisons pourquoi vous avez des envies parce que vous n'avez pas assez mangé, par exemple. Voilà, on amène le tout ensemble. Les plus grands avantages de la planification des repas, c'est économiser de l'argent, c'est diminuer les calories, ça ajuste les piments. Ça maîtrise les sentiers, soyez réguliers, commencez doucement, et qu'ils soient accessibles. Ça, c'est avec des dîners faciles et rapides, des protéines adaptées, des salades protéines végétariennes, déjeuner pour le souper et des repas par excellence. C'est des exemples, hein, on a parlé pour les protéines, les restaurants de la les salades, les edamame par exemple, ce sont rapides à préparer. Ayez une liste de repas par excellence que vous pouvez facilement préparer. Je ne pense pas qu'on a parlé de smoothies, mais c'est un aliment très facile à préparer et de gérer les envies. Régulièrement, les déclencheurs. Peut-être vous avez une journée émotionnelle. Peut-être que ça peut en affecter par autre chose. Essayez de reconnaître ces déclencheurs. Bougez, pratiquez l'alimentation consciente, hydratez-vous et prenez des fibres. Voilà, ça finit ma présentation. Ça, c'est mon information personnelle. Je fais beaucoup de counseling virtuel. Je suis dans la région de Durham. Certainement, vous pouvez me suivre sur mes médias sociaux. Allez sur mon site
site web, je poste toujours des recettes, des conseils. Et vous pouvez m'envoyer aussi un courriel. Oui, définitivement, restez en contact. On peut aller à la question responsable. Merci, Nicole, c'est super.